Ouais, chaud, chaud, chaud. Ouais, j'avance pas très très vite. Et là je me retrouve à une bis, donc je vais voir comment je peux faire. À tout à l'heure. Ce chemin à gauche je connais, c'est pour monter au Pariou. Il est interdit au VTT. De toute façon aujourd'hui ce ne sera pas possible. Voilà, à plus. Bon, il est quasiment 11h30. Je suis toujours en contrebas du Pariou et j'ai pas bien avancé. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de neige maintenant, là, parce que je suis à pas loin de 1000 mètres, je pense. De l'eau, des feuilles, des arbres donc tombés à terre, mais ça c'est déjà vu. Je devais partir par là-bas pour aller chercher le col de Cessa. Mais ça me fait loin, enfin ça me fait loin. Ça fait beaucoup de chemin, donc je vais mettre beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire une sorte de demi-tour pour aller donc tout simplement reprendre la route que je viens de quitter il y a une demi-heure par un autre chemin tout de même. Et pour rejoindre éventuellement le col de Cessa après par la petite route qui passe vers Vulcania. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même très compliqué d'avancer, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Là, je pense que je suis en train de prendre cher, là. Le vélo aussi. Il commence à avoir beaucoup de neige. Un peu trop à mon goût, mais bon, c'est le jeu. Hein. Je savais qu'aujourd'hui, ça serait tendu. Hein. Ah, il tient tout seul, vous voyez, quasiment. Voilà. Donc je vais redescendre tranquillement direction sur la route principale, départementale. Et à partir de là, ben, je reprendrai une petite route pour aller quand même du côté où j'ai envie d'aller. Voilà, donc à tout à l'heure. Ah, c'est chaud quand même. Allez, bon. Après, il y a du plaisir aussi, hein. Parce que là, pour tout donner, c'est marrant. Hein. Du coup, je sais jamais si je veux monter sur vélo ou si je veux marcher à pied, parce que du coup, ça patine beaucoup. Je consomme pas mal d'énergie, je pense. Et pourtant, je suis en descente. Ah, il y a quand même pas mal de neige. Ah,
j'en voulais, j'en ai eu. Mais bon. Quand même pas trop de monde. Bon voilà, donc c'est assez particulier, mais bon, ça se fait, c'est comme tout de toute façon. Donc je vais tranquillement rejoindre la route. Et après, on verra. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et là dans de meilleures conditions en principe. Encore une fois. Patine, bon Dieu. De passer devant Vulcania. Je vais donc direction Mazaï et c'est ça. Je pense que je vais prendre direction c'est ça de toute façon. Donc j'ai résolu le problème du trop neige. J'ai pris la route quoi. Par contre a priori j'ai un autre souci. Il se met à pleuvoir. Donc il fait pas chaud du tout. Et donc l'humidité que j'ai pris dans les chemins il y a encore quelques minutes, plus les quelques gouttes qui tombent, ouais, c'est juste quoi. Voilà, donc je vais rouler, puis on va voir. Hein. Bon, sinon, ça va bien. Ça pourrait être pire, hein, c'est marrant. Je dirais pas qu'il y a tant de neige que ça quand même. Si on regarde bien, mais en fait, si, il y a beaucoup de neige. Il y a trop même dans les chemins. Voilà, donc là, ça roule pour l'instant. À tout à l'heure.
à la différence de la différence des chemins. Là, ceux-là sont quasiment pas enneigés, quoi. Mais bon.